Salut les touristes, donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Noël. Donc voilà, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, je suis en train de voir pour aménager l'arrière du Patrol. Donc voilà, on a environ le gabarit d'un monospace, peut-être un petit peu plus réduit, on va dire en longueur. En hauteur, au plus court, là j'ai un renfort qui est là, donc on a 1 mètre de haut. Donc voilà, je suis en train de voir si c'est possible de le diviser en deux et d'avoir chacun 50 cm. Donc en fait, avoir un espace pour les filles dormir en bas et nous un espace pour nous dormir juste au-dessus. Alors ces sièges-là, c'est la fonction en 7 places, donc j'en ai pas besoin du tout. Donc je peux regagner au moins 15 cm de chaque côté, donc qui nous fait 30 cm. Ici, on a 1 m 13. Donc il y a de quoi faire, voilà, 2 couchages en longueur. Par contre ici, voilà, c'est ce que j'étais en train de me poser. J'ai 1 m 60. Voilà, j'ai 1 m 60 en longueur. Et là, ça peut faire un peu court, sauf pour les enfants. Donc peut-être que je ferai en fait 2 cubes, donc un cube de cette dimension là et un autre que j'avancerai qui pourrait, voilà, se mettre, parce qu'ici j'ai un décochement. Donc ici par contre je suis un peu plus haut, je suis à 1 m 13, ça fait exactement la même longueur qu'ici, qui était de 1 m 13 aussi. Ouais, 1 m 13, c'est ça. Donc en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est 2 cubes. Enfin, à ce niveau-là, voilà. 1 m 13 sur 50 cm de haut. Et un autre ici, donc pour rattraper la hauteur des 50 cm. 50 cm, c'est là. Donc voilà, on va dire. Ouais, j'ai presque 60 cm. J'ai 10 cm de descente. Donc voilà, un cube 10 cm plus haut, afin de faire un plancher plat et de venir jusque là, qui nous ferait, on va dire, voilà, 1 m 90. Donc nos têtes ici et les filles, voilà, je m'arrêterai ici, et les filles, les têtes qui débordent d'ici. Donc voilà, donc c'est pas pour partir en vacances, hein, c'est vraiment pour passer une nuit, voilà, en week-end, un truc comme ça. C'est vraiment essayer de trouver cet espace-là à aménager pour 4 personnes. Alors si vous avez des avis, des conseils, des liens, des trucs comme ça, n'hésitez pas dans la description de tout nous mettre en lien, afin que je puisse voir au mieux et voilà, réfléchir à cet aménagement. Donc après je sais que voilà, pour les rangements, j'ai des places, j'ai des trucs qui peuvent se faire sans souci. Après les places avant ne seront pas utilisées. Par contre, j'ai envie de moins les encombrer possible parce qu'il n'y a que l'arrière qui sera fermé. Donc ces vitres-là et les vitres des portières. Et cette zone-là qui sera fermée, voilà, de grands rideaux noirs. Donc pareil en termes de fixation. Moi c'est sur du plastique, donc je pensais soit aux vis pression ou soit à du scratch, voilà, bien collé. Donc je vais voir ça. Tout le tissu noir, j'ai déjà tout. Voilà, il me faut vraiment quelques idées. Alors j'ai déjà pas mal regardé, mais franchement, si vous avez des aménagements, parce que principalement les gens partent en week-end à deux dans ce genre de véhicule. À deux, c'est super simple. La question se posait même pas voilà, de faire cette vidéo et de vous demander à vous. C'était vraiment là, voilà, partir à quatre. Et je ne veux pas qu'à l'extérieur, on va me dire une tente de toit, c'est facile à mettre, une tente aussi à côté. Mais voilà, je veux qu'avec ce genre de véhicule, je puisse dormir en plein centre-ville sans attirer l'attention extérieurement. C'est-à-dire pas de, voilà, pas de galerie avec une tente de toit, pas de galerie avec des panneaux solaires. Voilà, vraiment être la voiture passe-partout. Et essayer d'attirer le moins l'attention possible. Sachant que je veux que bah, le coin lisse fasse le plus simplement possible. Donc voilà, là, hop. Franchement, pour
voyez. Hop. En même temps, dites-moi en commentaire si le son est mieux. Donc j'ai acheté une grande rallonge de 5 mètres. Voilà, que j'ai fixé à mon micro qui est juste là. Donc normalement, j'espère que ce sera mieux. C'est un test. Donc voilà, là on est en configuration 5 places. Bon, ben, si, après je peux descendre cela juste pour vous montrer en même temps. Clac, voilà, là vous voyez il est emboîté. Là, j'ai l'appui-tête aussi qui s'emboîte. Par contre, l'appui-tête c'est mal foutu parce qu'en fait il est tellement haut qu'on peut pas le replier avec le dossier. Parce que ça touche ici. Je comprends pas pourquoi ils ont fait comme ça. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est le même écartement que cela? Non, du tout. Sinon, j'aurais pu inverser. Bref. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça super pratique, ce système-là de cette place. Hop, ouais. On les déverrouille, on les rapproche. Et donc voilà, ceux-là, ils sont fixés après deux écrous facilement retirables. Pour la fixation des caissons, je ne m'inquiète pas. Vous voyez, il y a des anneaux d'amarrage. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Il y a des anneaux d'amarrage, donc je peux reprendre les vis de là-dessus. Donc pour le premier caisson, donc qui sera de 1,13 m du coup sur 50 cm de haut, qui n'ira pas jusqu'aux portes. Là, les portes viennent jusqu'ici, donc voilà, je compte 30 cm. Que les filles aient leur tête ici et puis nous de l'autre côté du coup sur ces sièges là. Hop. Voilà, et qu'on ait une tête du coup en appui avec le coussin ici avec le rideau juste derrière. C'est un peu chiant avec le câble quand même, mais bon. Voilà, donc j'attends vos liens, vos commentaires, toutes vos remarques. Et voilà, après pour les vacances, vous vous doutez bien qu'on a le camping-car qui est fait pour ça. Et qui lui nous servira, voilà, vraiment de grands voyages. Mais le 4x4, plus de petits week-ends à faire du 4x4 ou aller en bord de mer aussi, qui peut être super sympa. Parce qu'on peut se garer n'importe où. Et qu'en camping-car, voilà, ça devient un peu galère. Et puis payer pour pas grand-chose en service, parce que nous on a besoin de rien du tout. Comme le camping-car est complètement autonome et qu'on part avec le plein d'eau, je vois pas l'intérêt de payer pour juste passer la nuit. Au pire, il y a une douche, mais là j'ai d'autres astuces aussi pour prendre des douches, on va dire, gratuite, que j'ai pas envie de dire en vidéo, mais voilà, il est super simple aux endroits où on va de prendre sa douche gratuitement et sans souci. Donc voilà. Et après vous allez me dire, pour manger il y aura soit des sandwichs, et là on n'a pas besoin de table pour manger des sandwichs, soit il y a des brasseries qui existent avec l'argent qu'on économise du stationnement, et ben voilà, on peut se faire une petite brasserie, une pizzeria sans souci, il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, à mon avis, il y a moyen de partir faire des petits week-ends agréables à 4 dans ce véhicule et voilà, et de profiter pleinement de la vie. Bon courage à vous et à bientôt.